Tu appuies. Et puis ensuite, tu prends l'orteil. Tu tires, tu tires, tu tires, tu tires. Et tu lâches. Tu apprends très vite en tout cas. Embrasse-moi le pied. Bon, j'aime les hommes, mais je n'aime que les hommes soumis. Parce que j'ai tellement côtoyé de machos que les mecs, ils imaginent qu'une femme, elle ne peut vivre qu'avec et par le sexe d'un homme. Moi, ceux-là, ils sont abaffés, tu vois. J'ai jamais eu d'orgasme sexuel avec un homme. En tout cas, dans la manière traditionnelle, hein, je me comprends. Parce que depuis que je suis domina, c'est pas la même chose. Ah oui. Alors, effectivement, il y a quand même des jeux sexuels, entre guillemets, dans la mesure où pour certains, il y a quelques récompenses qui font qu'ils ont quand même accès à mon sexe. C'est-à-dire que s'ils ont été vraiment très sages, ils ont le droit d'aller y mettre la langue. Mais pas pour mon plaisir perso, pour le leur. Parce qu'à ce niveau-là, c'est pareil. C'est un sexe, un clito en béton que j'ai. Donc, c'est pas avec leur langue qu'ils vont faire des chatouilles, mais ça s'arrête là. Et puis bon, je crois que j'étais aussi prédestinée, parce que quand je dis ça aux gens, ça les fait rire. Je suis née à Houille, dans 78, et à la clinique du donjon. Ça ne s'invente pas. Allez les enfants, préparez-vous au service, on va passer à table. Oui. Toi tu vas me servir de table, pour une fois je choisis moi première. Ils sont garés dans tous les sens. Oui, en plus, même pas en créneau, rien quoi. Ce serait la police de la route, ça fait longtemps que je regarde. Ah, il y a des tables plus imposantes que d'autres. C'est vos tables qui sont mal réglées.